Je t'invite à trouver une position assise qui t'est confortable et à laisser doucement tes yeux se fermer. Commence en prenant plusieurs longues et profondes respirations. En inspirant et en expirant profondément. Inspire par ton nez. Et doucement, tu expires par ta bouche. Autorise ton souffle à trouver son rythme naturel, sans chercher à le contrôler, ni à le juger. Tourne ton attention complète vers chacune de tes respirations, tandis que ton air traverse tes narines, voyage dans tes poumons et gonfle ton ventre. Puis prends note de tes expirations. Ton ventre qui se contracte. L'air qui navigue par tes poumons. Tes narines, ta bouche. Invite ton attention complète à bouger au rythme de ta respiration. Note à présent de quelle manière tes inspirations sont différentes de tes expirations. Prends note d'un air frais, sec, qui traverse tes narines lors de tes inspirations. Chaud et humide lors de tes expirations. Et tandis que tu te connectes un petit peu plus en profondeur vers ton monde intérieur, tu commences alors à lâcher prise sur le bruit extérieur. Si tu es dérangé, interrompu par des bruits extérieurs, simplement note-les. Puis ramène ton attention vers ta respiration. Simplement respire. Non pas pour changer, mais plutôt pour apprécier cette respiration. Sans essayer de la contrôler. Observe et accepte ton expérience dans ce moment précis sans jugement. En prêtant attention à chaque inspire et à chaque expire. Si ton esprit vagabonde de pensées, en projet, en problème. Alors simplement observe cet esprit vagabonder. Simplement observe cette pensée, tandis qu'elle pénètre ton monde conscient. Puis pratique le lâcher-prise de cette pensée, un peu comme une feuille qui flotte et qui disparaît.
dans ta tête. Projette chaque pensée comme cette feuille qui flotte, puis qui disparaît. Une fois libérée, tourne à nouveau ton attention vers ta respiration. Ton souffle et ton encre. Tu peux y revenir à chaque instant. Note les moments où ton mental a vagabondé. Observe les types de pensées qui te distraient. Prendre conscience est la part la plus nourrissante et riche de cet apprentissage. Grâce à cette connaissance, tu peux renforcer ta capacité à te détacher de tes pensées et consciemment recentrer ton attention vers les qualités de ta respiration. Pratique le retour à ton souffle, prenant conscience de ton ventre qui se gonfle lors de tes inspirations et qui se relâche complètement lors de tes expirations. Autorise-toi à être pleinement avec ton souffle, tandis qu'il navigue de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Peut-être es-tu distrait par la douleur ou l'inconfort de ton corps. Peut-être ressens-tu l'envie de te gratter, de bouger. Toute distraction qui détourne finalement ton attention de ta respiration. Accueille. Il se peut que tu notes des émotions, des pensées. Peut-être de la tristesse ou du bonheur, de la frustration ou du contentement. Accueille. Simplement, on prend note de la direction que prend ton mental lorsqu'il vagabonde, sans pour autant juger, sans pour autant repousser, sans souhaiter que ses pensées soient différentes. Tu es simplement ici pour guider ton attention à nouveau vers ta respiration. Inspire. Expire. Suis l'air lorsqu'il rentre et lorsqu'il sort. Consciemment, sois présent dans ce moment avec ta respiration. Et si ton esprit vagabonde et s'éloigne de ton souffle, alors simplement tu notes, sans juger. Que ce soit une pensée, une émotion ou une sensation qui te distrait, guide ta conscience à nouveau vers ton souffle.
Et tandis que cette pratique se termine doucement, autorise ton attention et ta conscience à grandir. Ressens ton corps. Ressens l'espace autour de ce corps. Et lorsque le moment est juste, ouvre tes yeux. Rappelle-toi que ton souffle est avec toi à tout moment. Et qu'il est un outil te permettant de recentrer ton attention vers cet instant présent. Je t'invite à placer une intention, celle d'utiliser cette pratique tout au long de ta journée, de ta vie, pour t'aider à cultiver et à renforcer ta pleine conscience. J'espère que cette séance à mes côtés t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Merci d'avoir respiré et médité à mes côtés. Si tu souhaites élever ta pratique du yoga à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux essayer la plateforme gratuitement pendant 7 jours. À très vite.